Excellent. Ça va français. Français, c'est le meilleur au monde. British, British. Oh mon Dieu. Do you consider yourself a patriot? Aïe, mazé. I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab Center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Aujourd'hui, pour le 27e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Cohen-Salmon, en charge des projets de la Direction de l'Action Culturelle du Fonds Social Juif Unifié de France, et donc de trois festivals, puisqu'il y a le festival Jazz and Klezmer, auquel j'ai assisté avec tout le concert d'Avishai Cohen, le festival des cultures juives, qui a lieu en juin, et le festival Diasporama, qui fait l'objet du podcast aujourd'hui. Donc, le festival Diasporama entre dans sa 4e édition. Cette année, il est présidé par Michel Bouzard, qui, entre parenthèses, reprend le spectacle Adieu les Magnifiques, qu'il a fait connaître en 1984. Alors, le festival Diasporama commence donc, comme on le disait, dans quelques jours, le 22 janvier, et dure jusqu'au 5 février. Alors, comment vous vivez cette édition au regard de l'actualité que nous vivons aujourd'hui? J'imagine que c'est un petit peu particulier. Oui, cette année, c'est effectivement une année particulière, mais je dirais qu'on est d'autant plus déterminés et d'autant plus heureux de pouvoir proposer une programmation qui est tournée vraiment sur la découverte des cultures juives dans leur très grande pluralité par le prisme du cinéma, en invitant justement le public à une rencontre, à des échanges dans le cadre justement de notre mission qui est la mission de diffusion de la culture juive dans une perspective donc de connaissance de l'autre, d'échange, de dialogue interculturel et citoyen et de vivre ensemble. Et ça nous semble particulièrement pertinent aujourd'hui et plus que jamais au regard des temps très très difficiles que nous vivons. C'est aussi une manière de montrer combien la culture juive et le peuple juif aussi est résilient et combien malgré les tragédies que nous vivons, et évidemment la dernière en date du 7 octobre, eh bien nous pouvons toujours travailler sur des échanges, sur la lutte aussi contre les préjugés, l'antisémitisme, et ce festival-là en est un outil quelque part, puisque par le prisme du cinéma, on invite justement tous les publics, publics juifs et non juifs, à se rencontrer, à se découvrir, à apprendre de l'autre dans une perspective de lutte contre l'antisémitisme et les préjugés. Et ça, c'est très important pour nous. D'ailleurs, vous avez une très belle programmation et vous commencez avec un film qui a une très forte résonance avec l'actualité puisque c'est Le Dernier des Juifs de Noé Debré. Vous voulez nous en parler un petit peu, puis après je passerai un extrait du film. Oui, Le Dernier des Juifs. Alors l'année dernière, on a projeté le film de Stéphane Fraisse, Tu choisiras la vie, en avant-première. Et là, eh bien, il s'est présenté ce film à point nommé, je dirais, le Dernier des Juifs de Noé Debré. C'est un film, il me semble extrêmement courageux, courageux à projeter, à diffuser dans ces temps difficiles, on en a parlé juste avant. Mais également, c'est une sorte de conte pour moi, une sorte de conte poétique avec cette relation extrêmement forte, extrêmement tendre entre cette mère et ce fils, prise au dépourvu dans leur quartier. Puisque la mère veut absolument qu'ils partent et qu'ils quittent leur quartier et en parallèle, eh bien, ce fils qui, malgré lui, s'attache à ce quartier dans lequel il a grandi. C'est extrêmement tendre, mais à la fois très drôle. Parfois, il y a des scènes même hilarantes. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Cédric Clapiche à ce film, à ses débuts. J'y ai retrouvé un peu l'univers
l'univers, mais bon, c'est très personnel, du film que j'avais adoré de Cédric Clapiche, Chacun cherche son chat, avec cette vie de quartier comme ça. Là, on retrouve un univers de quartier, des situations très, très, très cocasses. Et puis, c'est un film clairement sur justement le vivre ensemble aussi. Et il nous semblait très important de le programmer en avant-première dans le cadre du Festival Diasporama. Si tu veux bien, Fabienne, nous allons écouter un extrait du film. Avec grand plaisir, Yael. Quel jour vous arrangerait ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais que tu peux avoir une carte de stationnement spéciale avec ta maladie ? On n'a même pas de voiture. Je vais demander quand même. Ce serait dommage sinon. Bam, bam, bam. J'aime pas trop les jeux de base, mais toi, je t'aime bien, toi. Parfait, merci beaucoup. Bonjour. Je voulais vous réconforter un petit peu avec quelques petits plats, du blé. Merci. Toi aussi, il faut que tu partes. En tout cas, moi, j'ai pas peur. Donc toi aussi, c'est pas la peine d'avoir peur. Mais ça te fait une voix de canard. Mais oui, mais c'est comme ça le rap, moi j'aime bien. Et toujours en lien avec cette actualité, parce que j'avais interviewé il n'y a pas très longtemps Adi Walter pour son film Je t'étale, vous programmez aussi un film en lien avec justement toute cette culture yiddish, qui est le film patrimonial du festival, qui s'appelle Die Book, de Michal Wazinski, qui est restauré pour l'occasion. Qui est l'histoire d'un amour impossible. Alors, comment vous est venue l'idée de programmer ce film ? On a travaillé avec Serge Bromberg, qui est le détenteur des droits de ce film, qui a remasterisé en fait ce chef-d'œuvre, hein, puisque c'est un chef-d'œuvre du cinéma yiddish. L'année dernière, on avait donc travaillé avec Serge Bromberg pour la troisième édition de Diasporama, au cours de laquelle on avait projeté trois courts-métrages absolument fascinants de Max Davidson, qui est un artiste juif des années 20, absolument inconnu. Et cette année, donc, on a souhaité à nouveau proposer un film patrimonial et un film emblématique, en fait, du patrimoine juif. Et là, en l'occurrence, du patrimoine juif yiddish, avec ce film, le Die Book, qui est véritablement un chef-d'œuvre, un film expressionniste, un film absolument envoûtant qui peut faire peur aussi, mais il nous semblait important de le projeter sur grand écran, puisqu'il a été remasterisé. Il fait partie du fameux coffret Les Trésors du Yiddish. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que à l'issue de la projection, le dimanche 28 janvier, donc à l'espace Rachi à 15h30, eh bien Serge Brandberg sera présent avec le journaliste au Monde, Samuel Blumenfeld, qui nous fait également l'amitié de nous accompagner pour ce festival, et qui vont tous les deux nous présenter les deux sous les coulisses de la création de ce film absolument emblématique et fascinant de la création cinématographique yiddish, et qui est tiré aussi adapté de la célèbre pièce de Shalom Ansky. Donc le Festival Diasporama, c'est effectivement une programmation de films contemporains, de films de fiction et de documentaires contemporains, mais il y a ce volet patrimonial qui était aussi important aussi pour nous de pouvoir diffuser auprès d'un large public. Nous allons écouter un extrait du film. Thank you.
Musique du Deep Book donc, que nous venons d'écouter, qui était composée par Renesh Kohn, qui était aussi un artiste de cabaret polonais et qui était né dans une famille hassidique. Toujours pour rester dans la culture yiddish, moi, il y a ce documentaire vraiment que j'ai découvert dans votre programmation qui a l'air fabuleux, qui s'appelle « Burning of the Page » de Ellie Gorn, qui nous parle de cette poétesse Celia Dropkin, donc qui était une poétesse yiddish qui vivait dans les années 20, qui est d'origine russe et qui était très moderne pour son époque, puisqu'elle écrivait sur le corps de la femme, sur la sexualité de la femme. Voilà, comment vous en êtes venu, vous avez eu le vent de ce documentaire et voilà, comment il s'inscrivait dans la programmation de cette année, hein. Alors, c'est un documentaire qui nous a été proposé par le Musée d'art et d'histoire du judaïsme et je salue Sophie Andrieux qui la responsable de la programmation culturelle au MAJ, qui nous a fait la proposition donc de ce remarquable documentaire de Ellie Gorn, qui est un documentaire canadien, hein, tout à fait récent puisqu'il a été réalisé en 2023 et qui a été sélectionné au Toronto Jewish Film Festival. Donc un festival très emblématique aussi de sur la scène, hein, je dirais internationale des festivals de cinéma juif. C'est effectivement une histoire incroyable, une histoire, je dirais, d'émancipation, même si ça peut paraître un peu connoté. C'est l'histoire de cette poétesse et de cette écrivaine issue d'un milieu assez orthodoxe, Celia Dropkin, qui a fait partie et qui a évolué dans la société littéraire new-yorkaise dans les années 20 et 30 et qui a donc effectivement choqué par l'ensemble de ses descriptions dans ses poèmes de ses passions, de ses aspirations, cette célébration des corps. Et elle a quand même défié effectivement les conventions en matière de genre à cette époque. C'est aussi un film qui fait vraiment la lumière sur son œuvre parce que c'est une artiste qui a été oubliée et on est ravis donc de pouvoir proposer cette projection. Alors là, pour le coup, qui aura lieu uniquement donc hommage, le mardi 30 janvier à 19h, donc hommage, et qui ne sera pas visible en ligne. J'invite là aussi le public à être attentif à la programmation, parce qu'il y a une partie de la programmation, effectivement, qui est disponible en streaming live dans toute la France, et une grande partie, la totalité de la programmation, qui est disponible également en salle. Donc là, c'est aussi la particularité de ce festival, c'est pouvoir vraiment proposer une programmation hybride qui permette au plus grand nombre de pouvoir assister justement à cette programmation. Nous allons écouter un extrait du film. It was fantastic to discover a poet who was brave enough to talk about women's desires, about sex, everything that you would not expect from a Yiddish poet. And now, her holy, latent lust spurts frankly from me. She was fighting limitations that were imposed on her as a woman, as a mother, as a woman poet. Here she was, Jewish, yet she wrote these shocking sexual things. Fingers, the thoughts of a nymphomaniac. I need love. I need sex. I need to be touched. I want to touch. That was new. The fact that there may be poetry about that from the 1920s is like way ahead of its time. For women to reveal not only their love and their lust, but their darkness. She was courageous. I took a knife, sharp as the glint off dead eyes. These are repellent and violent. I opened my heart and quietly said, drink. And they're great, I love them. How I suffer. No matter what you might objectively feel about an adulteress, you feel with her at this time. You wouldn't punish me for my sins, but you would rock me gently to sleep like a child.
One of the things she was very consciously trying to do was say, it doesn't really matter what's between my legs except to me. The poem is the poem. The critics were dismissing her. They were struggling with what to do with a woman who is so powerful and so bold. Celia Dropkin in American poetry is a radical forerunner to everything that came afterwards in terms of the women's movement. It is the sexual liberation of previous generations that leads us to this point, which is part of what she did, part of what she did for us. She's becoming embraced now by the Yiddish community, by the Yiddish artists. So she's becoming sort of one of the icons, and I'm very excited about that. It's a wonderful thing for me as a grandson to say, oh, my grandmother became famous writing erotic poetry. How many people can say that? C'était un extrait de Burning Off the Page de Ellie Gorn. Et donc, pour en revenir au festival... C'est que c'est... Alors, vous êtes à la fois à Paris, vous organisez des rencontres à Paris, mais aussi en région. Là, vraiment, c'est bien pour les spectateurs qui sont en région qui peuvent se déplacer et aller voir des films en salle, parce que parfois, c'est vrai que les festivals ont souvent tendance à n'avoir qu'à Paris. Et là, du coup, c'est bien d'avoir ce rayonnement-là dans toute la France. Et pour en revenir, c'est vrai que le festival juif du film de Toronto a inspiré un petit peu le festival de Diasporama, je crois. C'est un peu comme ça qu'il est né. Tout à fait. Le festival Diasporama est né en fait en 2021, en pleine crise Covid, à l'époque où les cinémas étaient fermés et où nous sortions de deux confinements. L'équipe en fait du festival du film juif de Toronto nous a proposé de décliner le même type de festival en France. Et donc au départ, c'était un festival totalement en streaming, en fait, intégralement en VOD. Et puis, au regard de son succès, nous l'avons développé d'année en année. Et cette année, c'est 14 villes de France qui participent au festival, dont de nombreux cinémas d'art et d'essai qui sont partenaires du festival dans toute la France. Et bien évidemment, les délégations du Fonds social juif unifié en région, les centres culturels de région et de ville qui ont organisé et propulsé ce festival dans leur ville. Et d'ailleurs, je souhaite vraiment saluer leur travail, leur implication, leur mobilisation, parce que vous avez à la fois de grosses villes, de grosses communautés qui ont participé, je pense à Marseille, à Lyon, mais également des petites villes comme Angers, comme Nancy, Nantes, qui se sont mobilisées et qui vont également proposer un certain nombre de projections dans leurs centres culturels ou en cinéma d'art et d'essai. Donc c'est vraiment Diasporama, un festival national. Et voilà, c'est pas un festival parisien. Souvent, le public reproche aux gros événements d'être très axé sur Paris. Eh bien là, c'est tout le contraire, et c'est la volonté justement du Fonds social juif unifié, c'est de pouvoir le déployer et le décliner dans toute la France pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces projections. Très bien, oui, ça c'est vraiment super, parce que puis les personnes qui ne pourront pas voir les films pourront les voir de toute façon en ligne également. Et avant de passer à la fiction, je voulais vous parler d'un autre documentaire qui a attiré mon attention, c'est « L'art du silence ». Qui nous raconte l'histoire de Mieux Marceau, de Brissus Starkel-Drux. Le Mieux Marceau qui a une vie extraordinaire, qui est une légende, hein, c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu même de documentaire de réaliser avant, puisqu'il a, il était dans la résistance, il a fait passer des enfants juifs en Suisse en leur apprenant à s'exprimer uniquement par des gestes. Il a créé le Moonwalk, enfin voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et le réalisateur, je crois qu'il a une relation particulière à Mieux Marceau, puisque je crois, j'ai bien lu que son père est sourd, c'est ça?
Oui, tout à fait. Effectivement, donc il y a une relation, je dirais, particulière, hein, qui s'est installée et qui a certainement incité aussi à la réalisation de ce très très beau documentaire. C'est vrai, vous l'avez souligné. C'est le premier documentaire, je dirais, d'envergure qui a été réalisé sur ce personnage qui est le mime Marceau, qu'on connaît pour son personnage tragicomique Bip, mais qu'on connaît moins, enfin en tout cas que le grand public connaît peut-être moins sur l'aspect de son implication, notamment dans les réseaux de résistance pendant la guerre, et ses actions de sauvetage et de passage d'enfants juifs en Suisse. Et c'est là qu'est née aussi sa vocation quelque part, puisqu'il à ce moment-là former les enfants à ne pas parler, en fait, pour ne pas faire de bruit lors des passages, et il leur a enseigné justement à s'exprimer par gestes. Cette histoire est absolument fascinante, et ce que je voudrais dire, c'est que nous aurons le plaisir d'avoir les filles de Marcel Marceau, Camille et Aurélia Marceau, mais également le petit-fils de Marcel Marceau, Louis Chevalier, qui est d'ailleurs dans le documentaire, qui témoigne également dans le documentaire, et bien qui seront présents, en fait, sur un grand nombre de projections en France, et qui justement pourront échanger avec le public et parler vraiment de vive voix avec le public pour cet hommage finalement à leur père et à leur grand-père. Oui, vraiment, j'invite le public à découvrir ce documentaire, qui a d'ailleurs était en sélection officielle dans plusieurs documentaires, dans plusieurs festivals internationaux. Hein. Donc, si tu veux bien, Fabienne, nous allons écouter un extrait du film. Avec grand plaisir, Yael. Mon père, il me faisait un peu peur avec son masque. Il s'est fondu avec son personnage, mais vraiment, vraiment. Le silence, c'est la suspension de l'âme qui donne l'écho de la pensée. C'est vraiment un film que j'ai hâte de découvrir. Et dans la partie fiction, alors j'ai vu qu'il y a un El Amor en su lugar de Rodrigo Cortés qui est effectivement une fiction sur la mémoire, mais qui est inspiré d'une histoire vraie, puisque cette fois ça se passe dans le ghetto de Varsovie, ça se passe en 1942, donc dans le théâtre Femina du ghetto de Varsovie. C'est alors peut-être vous voulez nous en parler un petit peu, c'est à la fois un hommage au théâtre. C'est l'un des très beaux films qui ont été sélectionnés cette année. Je remercie Lisbeth Kemoun également, qui est journaliste et directrice artistique de cette édition, qui nous a fait donc la proposition donc d'une grande partie de la programmation cette année, et notamment ces très très beaux films. El Amor en su lugar, vous l'avez souligné, c'est un film en coproduction donc espagnole et anglaise, qui date de 2001, qui a reçu, qui a été nominé dans plusieurs festivals, notamment au Goya Awards, au prix Gaudi, au prix Féroz. Alors, ce sont des prix espagnols, puisque le réalisateur est espagnol, Rodrigo Cortés. Il a réalisé d'autres films auparavant. Et ce qui est fascinant dans ce film, c'est que c'est basé sur une histoire vraie. L'histoire d'une comédie musicale qui a été écrite dans le ghetto de Varsovie dans les années 41-42 par un dramaturge et compositeur juif polonais, et seules les paroles, en fait, de cette comédie musicale et de ces chansons ont survécu. Ce film, c'est l'histoire de cette troupe de théâtre qui vivait dans le ghetto de Varsovie
parce que, eh bien, nous le savons, dans le ghetto, il y avait un grand foisonnement, en tout cas au début, d'activités culturelles qui, évidemment, se sont appauvries au fil des années pour ne rester rien ensuite. Mais les Juifs se sont accrochés dans le ghetto parce que la culture, la vie culturelle, la vie artistique était un moyen de survie, hein. On l'a vu en lisant notamment les archives de Ringelblum notamment. Et cette troupe de théâtre, eh bien, elle s'est illustrée dans le ghetto. Ce film, en fait, veut montrer un dilemme parce que cette troupe avait la possibilité de s'échapper après les représentations. Je veux pas en dire plus pour pas dévoiler l'histoire du film, mais elle est confrontée donc à ce dilemme de pouvoir s'échapper ou de pouvoir poursuivre ces représentations et donner un peu de joie quelque part au public. C'est tout le dilemme que montre le film. C'est extrêmement beau, la photo est très 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 belle. On a des personnages très attachants. Et je le recommande, hein, ce film. Il sera projeté en exclusivité donc au cinéma L'Escurial le 30 janvier à 20h. Donc je vous invite vraiment à venir le voir et à échanger également à l'issue de la projection avec un comédien qui s'appelle Davin Lunt, qui nous fait le plaisir. Il est comédien, auteur et cinéaste. Il nous fait le plaisir de venir présenter toute l'histoire de la création de ce film et d'échanger avec le public. Ah oui, donc une très belle rencontre en perspective au cinéma L'Escurial. All I ever dreamed is useless when life is without you. All I ever reached is fruitless when I'm not beside you. All I ever hunger to tell you fate. If you don't care, all I ever conquered is meaningless if you're not there. C'était la très belle musique du film El Amor en su lugar de Rodrigo Cortés, musique composée par Victor Reyes. Toujours dans sur le thème de la mémoire, il y a une histoire vraie aussi qui fait l'objet d'une fiction. Le film s'appelle Shoshana de Michael Winterbottom. Alors, Shoshana, c'est un film italien et anglais qui a été réalisé par Michael Winterbottom, qui date là aussi de 2023. Donc, c'est un film qui est tout chaud, qui vient de sortir de sa réalisation. Et donc, il nous a été proposé là aussi par Liz Ben-Kemoun. C'est un film qui va faire l'ouverture du festival le lundi 22 janvier, donc à l'Espace Rachi à 20h. Et c'est une sorte à la fois de thriller et d'histoire d'amour qui se déroule dans la Palestine mandataire, donc vraiment au seuil de la création de l'État d'Israël dans les années 30-35, lorsque voilà, il y avait tout un bouillonnement, hein, entre les diverses fractions, les divers mouvements politiques dans la Palestine mandataire qui émergeait et qui met donc en scène les diverses fractions comme l'Irgun, la Haganah, mais également la police britannique qui était implantée en Palestine mandataire, et également les sionistes de l'époque, et
partisan de la création d'un État israélien indépendant. Donc j'invite là aussi le public à venir découvrir cette création. Il a été ce film aussi projeté en sélection officielle au Festival international de Toronto. Et c'est l'avant-première française hein, qu'on propose dans le cadre de Diasporama, puisque ce film va être projeté, va sortir donc en salle dans quelques mois. Donc c'est vraiment une exclusivité pour le public. Et j'ai vu que la projection sera suivie d'un échange avec le réalisateur Alexandre Arcadie. Alors... Tout à fait. Alexandre Arcadie qui sera présent pour justement... donner ses impressions sur le film et parler, je dirais, de tous ces films qui mettent en scène à la fois Israël avant Israël, donc la période de la Palestine mandataire, et les films qui mettent en scène aussi Israël. Et voilà, il nous fera l'amitié de sa présence pour échanger là aussi avec Lise Ben-Kemoun. Si tu veux bien, Fabienne, nous allons écouter un extrait du film. Avec grand plaisir, Yael. I'm sorry about Chef. He was a good man. Yes. I've been asked to talk to you about Jeshua Bruno. He has children, a wife. He's still being held. They're threatening him with years imprisonment. What? For being in the Haganah? For wanting to build Israel? We all want to build Israel. Et alors, je crois que la clôture se termine par une comédie musicale le 5 février. C'est Les Zan Kosher. Alors, est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Parce que je crois qu'elle est suivie d'un ciné-concert. Il y a un concert de guitare après. Oui, tout à fait. Alors, déjà, le film, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur. Les Zan Kosher, c'est un film, en fait, qui a été tiré d'une série qui a eu énormément de succès au Canada, donc qui porte le même nom, qui était une série en quatre épisodes. Le réalisateur, donc Daniel Rosenberg, a souhaité en faire un film. Et là, c'est vraiment, vraiment une avant-première. Les sous-titres ont été réalisés. Les sous-titres français n'existaient pas. Et on les a... le film venait de sortir de la réalisation, puisque c'est un film canadien donc de 2023. Hein. Il vient d'être achevé. Il a été projeté uniquement il y a quelques mois au Toronto Jewish Film Festival, et il a eu le prix du meilleur film hein, au Toronto Jewish Film Festival. C'est une sorte de comédie musicale juive électropop. C'est comme ça que ce film se présente. C'est extrêmement pétillant. Il met en scène une jeune fille vive qui va s'illustrer en tant que chantre dans sa communauté juive libérale, et puis elle va être en proie avec des tas de problèmes, de drogue, de drames familiaux, de découvertes de soi. C'est extrêmement vif, extrêmement pétillant, et je le recommande là aussi. Il fera donc la clôture de ce festival. Ce sera lors de la soirée de remise des prix, donc qui aura lieu le lundi 5 février. Donc le film sera projeté avant la remise des prix par notre jury, la remise des prix de la meilleure fiction et du meilleur documentaire, présidé par Michel Boujna. Et vous l'avez dit, Yael, on clôturera la soirée par un très très beau ciné-concert. Alors, c'est la guitariste mondialement connue Liat Cohen qui nous fera le plaisir donc de clôturer cette édition avec un concert de guitare accompagné
donc au piano, qui sera illustré d'extraits en fait de films, notamment à thème juif. Voilà, on a appelé ça La guitare fait son cinéma. C'est ça. On va clôturer cette édition en musique avec de très très beaux extraits de films sur l'écran. Merci beaucoup pour toutes ces explications et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben c'est moi, Yaël, qui vous remercie de votre intérêt, qui remercie Falafel Cinéma. Voilà, il me reste juste à donner rendez-vous au public et à vous dire que c'est important de se retrouver, c'est important d'échanger, de partager des moments de découverte, de dialogue comme ceux que propose Diasporama. On en a besoin plus que jamais en ce moment. Donc, on espère voir le public nombreux pour pouvoir participer à ces projections. Et voilà, alors, il y a un seul site, c'est diasporama.net. Donc, c'est tout simple, diasporama.net, voilà, pour avoir l'ensemble de la programmation dans toute la France. Voilà. Diasporama.net, donc merci Fabienne, merci à toutes et à tous d'avoir écouté Falafel Cinéma. Vous pouvez également me retrouver sur un blog sur le cinéma et les séries qui s'appelle Movie in the Air, il y a également une newsletter. Et si vous voulez apporter votre soutien parce que ce podcast n'est pas sponsorisé, vous pouvez le faire en achetant mon premier roman, Nous, Anarthnous, publié aux éditions de Beauvilliers. Voilà, vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans le descriptif. Et je vous retrouve pour un prochain épisode. À bientôt, portez-vous bien et shalom, shalom. Special for you to remember Israel.